Merci de nous recevoir dans votre très belle agence. Avec Vitrine Média, on a souhaité faire un focus particulier sur l'importance de la visibilité. Mmh. Et en termes de visibilité, notamment pour les vitrines, je crois que vous êtes très bien placé pour nous expliquer ce que vous avez choisi justement de mettre en avant à travers cet écran entièrement sur mesure. C'est bien ça? Oui, tout à fait, bien sûr. Il a été fait sur mesure pour cette agence. Ouais. Par cette agence. Alors, l'historique avec Vitrine Média, ça remonte à combien de temps déjà? Oula, ça fait quand même un moment qu'on travaille avec Vitrine Média. Hein. Donc, voilà, sur toutes nos agences et... Ouais, que ça soit en affichage ou en écran dernièrement, tout à fait. C'était un choix particulier justement d'apporter une visibilité un peu augmentée à travers la vitrine, de faire quelque chose de différenciant. Alors les écrans, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité de l'extérieur. C'est-à-dire que voilà, que ça soit au niveau des automobilistes ou au niveau des passants, c'est vraiment quelque chose qui va fixer le client dans la vitrine et qui va lui permettre de découvrir éventuellement les affiches d'appartements qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues avant. Et pareil au niveau de la route, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité de l'agence. Et voilà, et donc c'est vraiment un très gros plus au niveau de la visibilité pour nous. Ouais, ça vous avez pu le noter justement, vous avez d'ailleurs des clients qui vous en parlent. Complètement, tout à fait. Ouais, il y a des clients qui poussent la porte de l'agence, certaines de nos agences aujourd'hui, parce que justement ils ont été arrêtés par ces panneaux qui leur permettent. C'est vraiment. On n'est pas sur de l'affichage d'appartement, mais plutôt pour capter l'attention du passant. Du passant même, pour que, pourquoi pas, ce dernier devienne un futur client. Tout à fait. Et c'était une conception que vous avez mis en place avec Vitrine Média, parce que là, on n'est pas habitué à voir ce genre d'écran. Hein. Il est vraiment en flottaison, il est accroché au poteau, ça ne se voit pas de l'extérieur. C'était un choix qui a été réfléchi à l'avance avec Vitrine Média, c'était une volonté de votre part. C'est une collaboration entre Jean-Yves Chichporti chez nous, hein, qui est le créateur de Saint-Ferdinand, et avec les gens de chez Vitrine Média, parce que ça fait très longtemps qu'ils se connaissent et très longtemps qu'ils travaillent ensemble. Donc c'était un projet qui a été travaillé en commun entre Saint-Ferdinand et Vitrine Média. Alors la conception par rapport à cet écran, c'était aussi les contraintes techniques. Oui. Parce que là, par rapport à la vitrine et son agencement, on avait l'obligation de respecter justement certaines conditions. Ça, c'était un travail de fond qui a été mené avec les équipes de conception de Vitrine Média. Oui, tout à fait, complètement. Et c'est l'adaptabilité de Vitrine Média à faire justement ces écrans sur mesure dans nos 14 agences, parce qu'on veut équiper toutes nos agences. C'est cette collaboration et cette adaptabilité qui justement fait que... Qui fait la force aujourd'hui de Vitrine Média et de notre collaboration. En tout cas, bravo, parce que le rendu, il est vraiment soigné, il est voire exceptionnel. Merci, et merci à Vitrine Média surtout. Et quand on est dans la rue, effectivement, on n'a qu'une envie, c'est de pousser la porte et de découvrir ces très beaux locaux que vous avez su aménager. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci.